Salut tout seul et bienvenue. Vous avez le choix entre pâtes et riz. Dans les commentaires, vous préférez les pâtes ou les riz? À vous me dire. Non, je rigole. Vous avez le choix entre pâtes et riz. Et aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour la présentation du tout nouveau véhicule de GTA V. Alors, sachez que si vous voyez des véhicules que j'ai présentés sur ma chaîne, il y a des véhicules qui sont présentés sur la chaîne de la salle, d'autres sur ma chaîne. Donc, moi, hier, j'ai présenté le buggy. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Le lien se trouve en description. Si vous n'avez pas vu mes deux vidéos du casino, hier, j'en ai sorti trois. Donc, plus la présentation du véhicule, ça fait trois. Donc, du coup, bah, ça se trouve en description également. Et en tuté épinglé, ça fait plaisir. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la Maxwell Asbo. Donc, c'est un véhicule tout petit. Là, vous dites, on dirait un peu une Fiat Punto. Ouais, on dirait une Fiat Punto. Et là, vous vous dites, ok, mais le véhicule est tout petit. Mais vous allez voir que quand on le custom, c'est autre chose. C'est un autre niveau de véhicule. Ça n'a rien à voir. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Vous allez rigoler, vous allez voir. Mais après, moi qui mange des pommes, quand je mange une pomme, je la croque. Je me dis, ok, est-ce que cette pomme, c'est une pomme d'amour? Là, vous vous dites, mais non, c'est pas une pomme d'amour. Bah si, parce que je suis tombé amoureux de cette pomme. Donc forcément, c'est une pomme d'amour. Non, sérieusement. Ça me fait penser à une Fiat Punto, hein? Non, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Une... Je sais pas si c'est une nouvelle marque, ça, Maxwell. Je regarde dans les com... dans... Le véhicule a l'air de drift. Ah, d'accord, ok. Traction avant. D'accord, ok. Ok, alors juste regarder la Maxwell Asbo. Maxwell Asbo, les gars, sur GTA 5 Wiki. Je crois pas qu'elle est pas, elle est pas encore disponible. Elle est pas encore disponible sur GTA Wiki. Non, pas dispo. Mais la Maxwell. Non, 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 Maxwell. Ok, et par contre, Maxwell, apparemment, ce serait. Ce serait un criminel dans Liberty City en 2008. Ok. Donc là, Maxwell Asbo, donc je sais pas du tout. Ça me fait penser à une Fiat d'un premier abord. Donc c'est parti. Alors, carrosserie. On a en carbone, couleur secondaire. On met de couleur secondaire. Frein. On a frein de rue, frein de course. Frein de course, ça m'a dedans. Pare-choc. Alors la pare-choc avant. Non, L couleur, pare-choc avant tuning, pare-choc avant sport, performance de rue et de compétition. Alors pourquoi dans le CTMI c'est un véhicule tuning? Parce que vous allez voir que ce véhicule, quand on le tune, c'est un autre monde. Donc voilà, on va mettre tuning. Hein. Moteur niveau 4, échappement. Alors on a échappement couleur secondaire. Celui-là est pas mal, MK2 pas mal. Non. Un mètre de compète. Je pense que de compète, c'est pas mal du tout. Explosif, non. Phare. Ah, la secondaire et. Boîtier en plastique. Un mètre couleur secondaire pour voir. Et ensuite, on verra. Alors, visière de phare, on a demi-cache. Cache complet. Oh, ça fait un peu énervé comme ça, un cache complet. Allez, ça fait un peu agressif. Regardez quand je zoome. Écoutez le bruit. On n'a même pas encore mis tous les trucs. Capot. Capot carbone, capot avec machin, capot en ligne, capot machin, non, non. Ouvert sans capot, capot ouvert littéral. Ok, on va mettre capot ouvert littéral. Par contre, sans capot, c'est dégueulasse. Hein. Horrible. On va mettre comme ça. Klaxon, on s'en fout. Éclairage phare xénon, kit néon super léon, couleur léon, on verra à la fin. Motif. Oh shit, il est stylé celui-là. Flamme. Oula, ça c'est un véhicule de fille, ça. 69.
blanc et... Oh ouais, ça fait stylé comme ça en multicolore, je kiffe. C'est quoi, je vais mettre ça juste pour le kiff. Encore une fois, vous notez mon véhicule sur 10 hein, dans les commentaires. Alors, peinture. Ça va être important. Ah, du coup, ça change rien. Je vais mettre en mat. Hein. Mat, on met jamais mat. Voilà. Couleur secondaire, on va mettre. Jaune aussi. Alors couleur finition, c'est important ça. On a fait un intérieur, enfin c'est un peu multicolore. Vert non, je vois pas un vert, je vois plutôt quelque chose de coloré. Peut-être en blanc, hein. Blanc ça fait comment? Ah non. Orange jaune peut-être. En rouge pardon. Un petit rouge flamme comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. Intérieur rouge. Ensuite, on avait couleur des détails. En jaune, du coup. Ça ressort bien avec le rouge. Ouais, c'est pas mal. Et l'emblème de proue, pas du tout. Toi. Toi, on va pas mettre ça parce que c'est trop vu et revu. On l'a déjà fait dans un véhicule. Galerie pareil, on va mettre une prise d'air couleur 2. Bas de caisse couleur 1, carbone, tuning et de compète. On va mettre de compète. Aileron. Aileron blista, blista en carbone. Dragster. Ah, il est beau celui-là. Ah oh, oui, il y a des beaux, 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 beaux trucs. Hein. Mais on va laisser quand même. Tu vois, celui-là, il est vraiment beau. Je kiffe, on dirait un petit papillon comme ça. Mais on va mettre le plus gros, hein, forcément. On aime quand c'est gros. C'est un peu chelou ce que j'ai dit là. Transmission de course. Coffre. Alors, oh, wow! Ah ouais. On va laisser les roues tuning. Comme j'ai dit, les roues, faut vraiment laisser les mêmes à chaque fois. Fenêtre, on va mettre limo. Et on a juste oublié un truc, c'était du coup l'éclairage à mettre en bleu. En bleu. Donc voilà la customisation du véhicule. Donc pour ma part, il est magnifique, je le trouve très beau, je le trouve original. Écouter le bruit. Ah ouais, il est vraiment trop magnifique. Ok, on va sortir. On va tester ce véhicule parce que c'est un véhicule de tuning. Là, par contre, dans les parcours, je sens que ce véhicule va nous faire galérer parce que regardez comment il tourne. C'est une traction avant qui tourne assez chelou. Regardez, je sais pas si vous... Ça se ressent à la manette en fait. Regardez, hop. C'est pas comme un. En fait, c'est une traction avant. Regardez, je vais vous montrer. Regardez, vous voyez, il tourne avec les roues devant. Par contre, vous entendez le bruit ou pas? Je vais faire écouter le bruit.
Alors, il a un peu du mal à partir. Ouais, au niveau de la tenue de route, c'est pas trop ça. Hein. Ouais, c'est pas. On voit comment il freine, vous entendez comment ça grince? Il faut que tu le vois, écoutez. C'est pas la joie. Hein. Ouais, c'est pas trop la joie, franchement. Je parle pas parce que c'est un peu bizarre. Mais le véhicule n'est pas trop ouf. Ok, du coup, c'était la présentation du Max. Well, Max. Well, Max. Ouais. Je vais vous montrer quand même où est-ce qu'il se situe le véhicule. Donc vous êtes dans South San Andreas. Et il est juste ici. Donc prix du véhicule. 306 000 si vous faites les braquages. Et 408 000 si vous faites pas les braquages. Et franchement, honnêtement, je vais pas vous mentir, 408 000, c'est pas cher cher pour un véhicule comme ça, original, avec une customisation comme ça, c'est jamais vu. Et je trouve ça vraiment original pour ma part. Je sais pas vous dans les commentaires, mais moi je le trouve vraiment beau. Donc voilà, c'était ça, la customisation. Le véhicule est magnifique, je kiffe ce véhicule. On cesse là-dessus et moi je vous dis oh bye, oh bye, oh bye, oh bye. N'hésitez pas à noter sur 10 les gars, les commentaires. Et si vous n'avez pas vu mes 3 vidéos du casino, en description.